lève la main. If you are a guest, put up your hand. Je voudrais te bénir avant de commencer. I would like to bless you before starting. Prions pour tous les invités. Levez les mains. Let us bless for all the guests. Prions ensemble. Let us pray together. Père, nous prions que Lord, we pray ces âmes that these souls qui sont venues who has come, have come parce qu'elles ont été invitées en ton nom. Because they have been invited on your behalf. Nous prions que tu les bénisses. We pray that you bless them. Que ton ciel soit ouvert au-dessus de chacun. May your heaven be open upon each of them. Et que les cris de chacun parviennent à toi. And let the shouts, the cries of each of them reach you. Qu'ils soient bénis comme nos frères qui ont rendu témoignage. Let them be blessed like our brothers who gave testimonies. Que vienne un jour. Let it be a day. Où ils vont aussi rendre témoignage à leur tour. When they will give a testimony in the church. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Acclamez. Clap. Merci. Thank you. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? What are we going to do tonight? Nous allons d'abord donner un conseil aux invités. We'll first of all give an advice to our invitees. En lisant dans la parole de Dieu. By reading in the word of God. Afin que leur foi soit fondée sur la parole de Dieu. So that their faith should be founded on God's word. Et qu'ils soient bénis. And they should be blessed. Parce que Dieu a dit dans sa parole. Because God has said in His word. Sans la foi. That without faith. Il est impossible de lui être agréable. It is impossible to please Him. Si tu ne crois pas. If you don't believe. Qu'il peut t'aider. That He can help you. Ça ne vaut même pas la peine de t'approcher de lui. You don't need to get close to Him. Mais si tu crois. But if you believe. Qu'il peut t'aider. He can help you. Qu'il veut t'aider. And he wants to help you. Tu es déjà béni. You are already blessed. Tu es déjà béni. You are already blessed. Et après? And later. On va distribuer les livres. We'll distribute books. Après cela. After that. Nous allons mener une bataille spirituelle. We'll go for a warfare. Dans la prière. In prayers. Pour libérer nos familles. To release and set our families pour introduire free. La joie dans nos familles. To introduce joy in our families. Pour introduire nos familles dans la bénédiction divine. To introduce our families in divine blessing. Pour les délivrer, pour que nos familles soient délivrées des sorciers, des hommes méchants qui ont envoûté tout le monde. For our families to be delivered from witches and wicked people who have bewitched all of them. Nous n'allons pas les tuer comme font certains. We are not going to kill them as some people do. Vous avez écouté les témoignages. You have listened to testimonies. Nous allons arracher. We'll snatch. Tout ce qu'ils ont pris, on va récupérer. We'll take all that. We'll collect all that. We'll recover all that they have taken. On va libérer nos bénédictions. We'll release our blessings. Ceux qui vont donner leur vie à Jésus vont se joindre à nous pour combattre. Those who will give a life to Jesus will join us in the warfare. Ne commets pas l'erreur de refuser Jésus. Tu vas rentrer bredouille. Do not commit the mistake to refuse Jesus. You'll go home empty-handed. Tout ce qui se fait ici, all those who are here, se fait au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. All that is being done here is done in the name of Jesus of Nazareth. Si tu refuses Jésus, if you refuse Jesus, tu as tout perdu. You have lost everything. Mais tu ne vas pas le refuser. But you won't refuse him. Lisons dans Luc 5, 17 à 26. Let us read in Luke 5, verse 17 to 26. Rapidement. Quickly. Gloire à Dieu. Luc chapitre 5, verset 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Luke chapter 5, reading from verse 17. One day, as he was teaching,
Pharisees and teachers of the law, who had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem, were sitting there. And the power of the Lord was present for him to heal the sick. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Some men came carrying a paralytic on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd right in front of Jesus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes... When Jesus saw their faith, he said, « Friend, your sins are forgiven. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» The Pharisees and the teacher of the law began thinking to themselves, who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Jesus knew what they were thinking and said, why are you thinking these things in your heart? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat and go home. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Immediately, he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, we have seen remarkable things today. Amen. Amen. Cette parole comporte beaucoup d'enseignements comprises lot of teachings qu'on ne peut pas étudier maintenant. That we cannot study right now. Et parmi ces enseignements, among those teachings, il y a cette guérison qu'un paralytique avait reçue. There is the healing that the paralyzed man received. Un homme qui était malade. A man who was sick. A reçu une guérison authentique. Has received a genuine healing. Qu'est-ce qu'il avait fait? What had he done? Si tu le fais, tu seras béni comme lui. If you do the same thing, you will be blessed like him. Nous allons relire ensemble. Let us read it again. Lis le verset 17. Read verse 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée
et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance de Jésus The power of Jesus se manifestait par des guérisons. Was seen by healings. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Que Jésus guérit les malades. It means that Jesus heals the sick people. Jésus guérit les malades. Jesus heals the sick people. Ça veut dire que Jésus veut te guérir ce soir. It means that Jesus wants to heal you tonight. Les gens étaient venus nombreux. People were numerous. Pendant que Jésus enseignait. While Jesus was teaching. Pourquoi? Why? Ils avaient entendu. They had heard. Que quelle que soit la maladie. That whatever your disease. Si tu arrives là où se trouve Jésus de Nazareth. If you reach the place where Jesus is. Jésus de Nazareth. The Jesus of Nazareth. Il va te guérir. He will heal you. Et les gens avaient appris ça. And people learned that. Continue. Go on. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Quand les gens l'avaient appris, When people heard about that, certaines personnes qui avaient un malade some people who are the sick man, avaient pris leur malade. They took the sick person, ils l'avaient porté. They bore him, il était paralytique. He was paralyzed. Ils l'ont amené vers Jésus. They brought him to Jesus. Ils ont dit, and they said, nous entendons que cet homme, nous avons appris que cet homme guérit les malades. We have heard that this man heals the sick people. Prenons notre frère. Let us take our brother. Amenons-le chez lui. Bring it to him. Certainement qu'il sera guéri. Surely he will be healed. Continue. Go on. Comme il ne savait par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? What have they done? Quand ils sont arrivés, When they arrived, il y avait beaucoup de monde. There were a lot of very big crowd. Il n'y avait pas de passage. There was no way. Par où entrer dans la maison. To enter la foule avait occupé tout l'espace. The crowd had surrounded all the places. Ils avaient leurs malades. And they had the sick man. Ils savaient que si cet homme voit Jésus, écoutez, il y aura. Do like me. Vous écoutez. Listen. Parce que le démon là s'est dit qu'aujourd'hui il va te perdre, c'est fini. Does the demon think that today is going to lose you? Il a déjà perdu. Has already lost. Un petit mari lui qui pense que s'il fait des bruits, il va arrêter zéro. But the small spirit that thinks that there are noise of sound. Tu seras délivré. You will be delivered. Avec micro ou sans micro. With microphone or no. Ce soir ici. Tonight, acclamez pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Avec des cris de victoire, Jésus. With shouts of victory for Jesus. Alléluia. Amen. Techniciens, cherchez des solutions sans être confus. Ne créez rien, Dieu est puissant. Fear nothing, find solutions. Ils sont venus avec les malades. They came with a sick man. Il n'y avait pas de passage. There was no way. Ils sont montés sur le toit. They ont ouvert le toit. On the roof and opened it. Descendre les malades. And they drop the sick man. Ils ont fait descendre les malades. They drop the sick man. Ils l'ont déposé où? Where did they drop him? Devant Jésus. Before Jesus. Continue. Go on. Oui, allez-y. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Écoutez. Listen. Écoutez ça très bien.
Les gens, ces gens-ci, étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Was led by God's Spirit. Ils ont pris le malade. They took the sick man. Ils ont déposé devant Jésus. Ça veut dire sous le regard de Jésus. They dropped him before Jesus. We mean under the eyes of Jesus. Ils ont déposé le malade sous le regard de Jésus. They dropped the sick man under the eyes of Jesus. Ils ont déposé le malade sous le regard de Jésus. They dropped the sick man under the eyes of Jesus. La personne qui t'a invité. The person who has invited you. T'a déjà transporté. Has already carried you. Et t'a déposé sous le regard de Jésus. And has dropped you under the eyes of La personne qui t'a invité. The person who invited you. T'a soulevé. Has carried you. Il est venu te déposer sous le regard de Jésus. He has come and dropped you under the eyes of Son travail Jesus. Est fini. His work is done. Il a fait son travail. He has done his work. Il a fait le travail de Jésus. Laissez, on avance. Je vous ai dit que là où nous sommes là, Satan ne peut plus. You know, Satan can do nothing else. La personne qui t'a invité, the person who has invited you, t'a déjà déposé devant Jésus. Has already dropped you before Jesus. Ça ne dépend pas de Satan. Ça ne dépend pas du diable. It does not depend on the devil. Ils ont transporté le malade. They carried the sick man. Ils ont ouvert le toit. They opened the roof. C'était un obstacle. It was an obstacle. Il fallait être courageux. They were to be courageous. Pour ouvrir le toit d'une maison, de quelqu'un. To open the roof of a house of someone. Pour faire descendre ton malade. To drop your sick person. Dieu aime ce que tu as fait là. Dieu aime God ça. Loves what you have done. Quand Jésus a vu when Jesus saw the le paralytique couché sous ses yeux, when he saw the paralyzed man la Bible lay dit, under his écoutez, eyes, voyant leur foi, the Bible says, seeing the faith, voyant leur foi, seeing the faith, Jésus a vu leur foi. Jesus has seen the faith. Leur foi s'est concrétisée par cet effort surhumain de porter le malade et de le faire passer par le toit. The faith was shown by this beyond human effort by opening the tile, the roof and dropping the disease. Si tu vois quelqu'un, if you see someone qui est passif, who is passive, qui dort, who is sleeping, qui dit oh Dieu viens me sauver, so Jesus come and save me, et qui ne fait rien. And he's doing il n'a nothing. Pas la foi. He has no faith. La foi est agissante. Faith is acting. La vraie foi est dynamique. True faith is dynamic. La vraie foi surmonte les obstacles. And it goes beyond obstacles. Et Dieu paye les hommes. And God pays men. Selon le travail qu'ils ont accompli. According to the work they have done. L'effort. The effort. D'ouvrir le toit. To open the roof. Comme un acte de foi. As an action of faith. A touché le cœur de Jésus. Has moved the heart of Jesus. Tous ceux qui auront la foi ce soir. All those who have faith tonight. Vont toucher le cœur de Jésus. Will move the heart of Jesus. Ils vont toucher le cœur de Jésus. They move the heart of la parole Jesus. De Dieu dit. The word of God says. Jésus. Jesus. Voyant leur foi. Seeing the faith. Jésus. Jesus. Voyant leur foi. Seeing the faith. Il n'a pas regardé s'ils sont pauvres ou riches. Has not watched. Has not looked at. Of the fact that there are rich or poor. Il était émerveillé par la foi des individus. He was amazed by the faith of this individual. Qui avait entendu parler de lui. Who heard about him. Et il était touché. And he was moved. Et qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Voyant leur foi. Seeing the faith. Jésus dit. Jésus dit. Jesus says. Écoutez, écoutez très bien. Listen carefully.
Homme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Man, your sins are forgiven. Je prie que tu sois intelligent. I pray that you be intelligent. Quelqu'un est malade. Someone is sick. Il veut la guérison. He want to be healed. On le soulève. On dépose au pied de Jésus. Drop him before Jesus. Et la première chose que Jésus fait, and the first thing Jesus does, c'est homme, is man. Tes péchés, your sins, te sont pardonnés. Are forgiven. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Le péché, sin, attire la malédiction. Attract curse. Attire les maladies. Attracts diseases. Et si Jésus doit te guérir, and if Jesus have to, il faut qu'il résolve d'abord le problème du péché dans ta he vie. He must first of all sort out the matter of sin in your life. Homme, man, tes péchés te sont pardonnés. Your sins are forgiven. Tu dois t'étonner, mais Seigneur, nous on veut sa guérison. You can say, Lord, I just want healing. Le péché, sin, a introduit la mort dans le monde. Has introduced death into the world. Quand tu pratiques le péché, when you practice sin, tu es sous la condamnation de Dieu lui-même. You are under God's condemnation. Et c'est parce que Dieu t'a condamné, it's because God has condemned you, que le diable peut te toucher, that the devil can touch you, que les sorciers peuvent t'attaquer, that way witches can attack you. Sinon, la parole de Dieu déclare, because the word of God declares, que si Dieu est pour nous, that if God is with us, qui sera contre nous? Who will be against le us? Diable sait, the devil knows, que si tu vis dans la sainteté, that if you live in holiness, il ne peut rien te faire. He can do nothing to il you. Ne peut rien te faire. He can do nothing to il you. Sait, he knows, que si tu vis dans la colère, that you are if you are dans living le vol, in anger, in faith, dans le vol, in rivalry, dans le mensonge, il lies, il sait, he knows, que si tu continues comme tu fais là, if you go on doing what you are doing, il peut marcher sur toi. He can walk on you. Vous entendez? Can you hear? Dieu envoie les gens dans le monde avec des bénédictions. God sends people in the world with blessings. Et certains méchants volent tout ça. And some wicked people steal all of it. Même ton père est dedans. Even your father is inside. Plus il livre les gens, the more they aren't of plus the people, il devient fort dans la sorcellerie. The more they become strong in witchcraft. Et quand il veut devenir fort, il s'en fout. Même si tu es sa fille ou son fils, il te livre. And if you want to be strong, he doesn't care about the fact that you are his daughter or his son. Ça devient la folie, les dépressions, les paralysies. It's become madness, depression, paralyzing. Les maux de cœur, les maux d'estomac. The itches in your stomach. Les hémorroïdes. And your heart, hemorrhoids. Tu ne comprends rien. You understand nothing. Tu vas à l'hôpital. You go to hospital. Les médecins ne comprennent rien. Doctors understand nothing. Tu as besoin. You need. On te soulève. To be. Qu'on te dépose sous les regards de Jésus. And dropped under the eyes of Jesus. Jésus voyant leur foi. Jesus seeing the faith. Jésus voyant leur foi. Jesus seeing the faith. Et dit au paralytique, homme, tes péchés te sont pardonnés. Your sins are forgiven. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lis. And what happened? Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire. Les gens qui étaient là, qui ne comprenaient rien, ils se disaient. The witnesses would. Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Il est qui même? Who is this man? Ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Hein? It's not everybody who knows Jesus. Ceux qui parlent là, c'est les religieux, les scribes, les pharisiens. C'est des religieux. People who are speaking are religious people. C'est des gens qui allaient au temple tous les jours. People who used to go to the temple every day. Mais ils ont oublié le vrai Dieu. But they forgot about the true God. Et ils ne connaissaient pas les promesses de Dieu. They didn't know the promises of God. Ils se disent, mais celui-ci, il est qui même? They said, who is this one? Il pardonne les péchés. He forgives sins. Jésus-Christ. Jesus Christ. Est le Fils de Dieu. He is the Son of God. Jésus-Christ. Jesus. Est le Fils de Dieu. He is the Son of God. Jésus-Christ. Jesus Christ. Est le Fils de Dieu. He is the Son of God. Jésus-Christ. Jesus est le Fils de Dieu. He is the Son of God. Il a le pouvoir. He has the power. De pardonner le péché. To forgive sins. Si Jésus te pardonne. Jesus forgives you. Il n'y a personne sur la terre, même dans les cieux, qui peut te condamner. There is no one on earth, even in heaven, who can condemn. Son père lui a donné l'autorité sur toutes choses. Has given him authority on everything.
On l'appelle le juge des vivants et des morts. He is called the judge of the living and the dead. Son nom c'est Jésus de Nazareth. His name is Jesus of Nazareth. Il te dit ma fille. He's telling you my daughter. Là où tu es arrivé là. At the stage you are. J'ai vu votre foi. I've seen your faith. Vos péchés. Your sins. Sont pardonnés. Are forgiven. J'ai vu. I've seen. Il dit, je vois dans ton cœur. He says, I see in your heart. Pendant que mon serviteur parle, je vois comment tu ouvres ton cœur. While my servant is speaking, I see how you are opening your heart. Et je te dis, and I'm telling tes péchés te sont pardonnés. Are forgiven. Tes péchés te sont pardonnés. Are forgiven. Les adultères, les vols, adultery, les masturbations, masturbation. Dieu te pardonne tout ça ce soir. God forgives all that to you tonight. Te pardonne tout ça ce soir. He's forgiving everything tonight. Voyant leur foi, seeing the faith, il dit aux paralytiques, he told the paralyzed, homme, man, tes péchés, your sins, te sont pardonnés. Are forgiven. Les gens étaient étonnés. People was amazed. Ils ne connaissent pas qui est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. I am the way, the truth and life. Nul ne vient au Père que par moi. No one can reach the Father without me. La Bible dit, the Bible says, Dieu a tant aimé le monde. God so loved il a donné world, son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui so ne périsse point. Everyone who believe in him ne périsse point. Does not perish. Ne périsse point. Does not perish. Mais but qu'il ait la vie éternelle. Have eternal life. C'est lui qui était devant eux. He was the one before et them. Ils ne le connaissaient pas. And they didn't know mais him. Les hommes qui ont porté le malade connaissaient. But the men who carried the disease, the sick man, ils connaissaient qui est Jésus. They knew Jesus. Ils se sont dit, faisons l'effort, déposons-le sous ses regards. To go and drop him under his eyes. Et après, and later, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, lève-toi, va dans ta maison, prends ton lit, get up, take your mask, va dans ta maison, and go home. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Vous voyez, devant Jésus, la maladie n'est rien. Le vrai problème, c'est le péché. Il n'a même pas parlé de la maladie. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et pendant que les gens s'étonnaient, il a dit, mais vous là, qu'est-ce qui est plus grand, dire à quelqu'un, prends ton lit et marche, ou bien de pardonner les péchés. And said, you, what is easier, saying someone, take your mat and go home, or forgiving sins? Et pour répondre à leurs pensées, pour donner une réponse à leurs pensées sur and lui, and to reply to the false, il a dit au paralytique, he told the paralyzed man, lève-toi, stand up. Est-ce qu'il a même dit paralysie? Even non. He did not say paralyzed man. Il n'avait pas dit sois guéri, non. He did not say be healed. Si tu embrasses Jésus ce soir, if you embrace Jesus tonight, tu vas chercher le mal que tu avais. Un jour, tu vas réaliser que tu n'es plus malade. Tu ne sauras même pas quand tu as été guéri. You will see the disease you had, and you realize that you were healed, and you don't know where. Prends ton lit. Take your bed. Quelqu'un qui est malade depuis des années. Prends ton lit. Va dans ta maison. Take your mat and go home. Il a obéi. He obeyed. Le miracle a eu lieu. And the miracle happened. Je ne souhaite pas que vous soyez ce genre de personne qui dit à Jésus,
Tu me dis de me lever, tu ne vois pas mon pied. Guéris-moi. Jésus te dit, prends ton lit. I don't want you to be like this kind of people who will tell Jesus, you want me to get up, don't you see my feet? Et puis, tu te lèves, tu and prends ton, tu réalises que tu as deux pieds et tous les membres qui fonctionnent. Jesus says, stand up, and you realize that your two feet are working well. Jésus a trouvé quelqu'un qui avait une main sèche. Jesus found someone with a bent hand. Il a dit, étends ta main. He said, lay your hand. Il ne l'a même pas touché. He did not touch him. Quelqu'un d'autre dirait, Seigneur, c'est depuis ma naissance. Someone. Je ne peux pas. Someone can say, Jesus, Lord, it's since I'm born. I don't know. Tends ta main. Lay your hand. Acclamation, le miracle. Clap. C'est ça qu'on appelle la foi. This is what is called faith. C'est ce qu'il te faut ce soir. It's what you need tonight. Pour rentrer béni. To go home blessed. Jésus te pardonne ton péché. Jesus forgives your sins. Toi, tu décides. You decide que tu ne rentres plus dans ce péché. That you will not go. You will not go back into this sin. Si tu buvais le kutuku. If you were drinking kutuku, c'est alcohol, fini. It's finished. C'est fini. It's finished. Si tu pratiquais la sorcellerie. If you were a witch, c'est fini. It's finished. C'est fini. Finished. On va te délivrer. We'll deliver you. Tu vas tout dire. You'll say everything. Et tu vas demander pardon à Dieu. And you'll beg God's pardon. Les concubinages. Concubinages. C'est fini. Are finished. Même si tu meurs célibataire, un méchant homme ne te garde pas prisonnière. Even if you die as a single person, let not a wicked man keep you as a prisoner. Sans mariage, rien. Without marriage, nothing. Tu vieilles, tu laves ses habits, tu piles le foutu. You fatigué. Are getting old, you wash his clothes and you pound fufu. Jésus a dit à une femme. Jesus saw the lady. Va m'appeler ton mari. Go and call your husband. La femme lui a dit. She said. Je n'ai point de mari. I have no husband. Jésus lui a dit, tu as dit la vérité. Jesus told him, you have eu cinq, said the truth. Même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. You had five, even the one with whom you are. Tu vas donner ta husband. Vie à Jésus. You will give your life to Jesus. Et tu vas arrêter le concubinage. And we stop concubinage. Et tu seras béni. And you'll be blessed. Tu seras béni. You'll be blessed. Maintenant, je veux que vienne ici. Now I want tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. I want to come here, all those who want to give a life to veulent, Jesus. Lève ta main si tu veux donner ta vie à Jésus. Venez put ici. Your hand. Venez you rapidement. Give your life to Jesus. Que tous ceux-là viennent ici. Let all of them come here. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Your sins are forgiven. Tes péchés te sont pardonnés. Your sins are forgiven. Il reste maintenant que tu entres dans ta bénédiction. Come and enter your blessing. Prenez vos sacs, venez avec vos sacs. Take your bags. Qui a son sac là-bas, va chercher. Homme, man, homme, man, homme, man, tes péchés your sins te sont pardonnés. Are forgiven. Jésus a la puissance. Jesus has the power. Jésus peut te pardonner. He can forgive you. Tu ne seras plus jamais le même. You'll no more be the same. La maladie disease va disparaître. Will disappear. Comme la paralysie avait disparu. As the paralyzed, the man was paralyzed. Viens à Jésus. Come to Jesus. Jésus, Jesus, voyant leur foi, il faut que Jésus voie ta foi. Jesus must see your faith. Il doit voir ta foi. He must see your faith. Il doit te voir. He must see you. Comment tu es engagé, actif. How you are committed and active. Comment tu veux être sauvé. How you must be saved. Jésus-Christ, Jesus Christ, voyant leur foi, sing the faith. Dis aux paralytiques, tell the paralyzed man. Homme, man, tes péchés your sins te sont pardonnés. Are forgiven. Jésus, Jesus, voyant leur foi, sing the faith. Dis aux paralytiques, tell the homme, paralyzed man. Man, homme, man, tes péchés your sins te sont pardonnés. Are forgiven. Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 Même si tu es venu avec quelqu'un. Even if you have come with someone. Qui ne veut pas décider maintenant. Who didn't want to. Who doesn't toi, want to. Toi, tu dois up. Te lever. You must get up. Tu viens. You come. Il va te trouver là-bas. And we'll
This person found you there. Mais ne l'attends pas. Don't wait for him. Jésus, Jesus, voyant leur foi, sing the faith, dit au paralytique, God, the paralyzed man, homme, man, homme, man, tes péchés te sont pardonnés. Your sins are forgiven. Jésus te dit, Jesus is jeune telling homme, young jeune man, fille, young jeune man, homme, young man, jeune fille, young girl, tes péchés te sont pardonnés. Are forgiven. Tes péchés te sont pardonnés. 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 Maintenant, now, maintenant, now, prends ton lit. Take your mat, va dans ta maison. Go home. Ça va s'accomplir. That will happen. Viens vite, vite, parce que nous allons prier. Il ne faut pas come perdre de temps. Because we are going. Si tu dois, si tu veux donner la vie à Jésus aujourd'hui, fais-le promptement parce que nous avons très peu de temps. If you want to give your life to Jesus, do it quickly because we have little time. Lève-toi promptement, viens. Stand up quickly. N'écoute pas les démons qui te disent ne va pas, ne va pas. Do not listen to demons who are telling Satan, you don't go, Satan. Va-t'en. Go away. Tu n'as personne ici. You have no one here. Tous ces âmes appartiennent à Jésus. All those people belong va-t'en. To Jesus. Go away. Va-t'en. Go away. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Je vais commencer la prière avec les âmes. I would like to pray with people. Si tu dois venir, viens maintenant. If you want to come, come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you want to come, come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you want to come, come now. Je t'arrache des mains de Satan. I snatch you out of the hands of Satan. Toi qui veux rester avec le diable. You want to stay with Satan. Je t'arrache des mains du diable. I snatch you from the hands of Satan. Viens à Jésus. Come to Jesus. 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 Levez vos mains. Put up your hands. Qui autre veut venir? Who else wants to give his life to Jesus? Viens maintenant, nous sommes en train come de commencer now. La prière. We are starting the prayer. Oui, acclamez, acclamez. Yes, clap. Acclamez plus fort que ça. Clap louder than this. Vous savez, you know, même les acclamations brisent les chaînes. Even claps break chains. Viens vite, vite. Come quickly. Non, ne faites pas beaucoup de choses à la fois. Laissons, gagnons d'abord les âmes. Gagnons d'abord les âmes, laissez les chaises. C'est une guerre. Let us win souls first. It's a war. Leave the chairs. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, venez, venez, venez. Yes, come. Si tu entends dans ton cœur, if you can hear in your heart, lève-toi. Stand up. Va. And go. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. If the Holy Spirit calling you, il faut obéir. Obey. Si tu entends dans ton cœur, if you hear in your heart, lève-toi. Stand up. Va. And go. N'attends pas de preuves. Don't wait for n'attends proofs. Pas de preuves supplémentaires. Don't wait for more proofs. Si tu entends dans ton cœur, if you hear, don't wait for more lève-toi. Evidences. Va. You hear in your heart. Stand up and go. Ne résiste pas.
Do not resist. C'est le Saint-Esprit qui te parle. It's the Holy Spirit speaking to you. Si tu entends dans ton cœur, if you hear in your voice, in your lève-toi. Heart, stand up. Va. And go. C'est Dieu qui te parle. It's God speaking to you. Si tu entends dans ton cœur, if you hear in your heart, lève-toi. Stand up. Va. Go. C'est Dieu qui te parle. It's He speaking to you. C'est Dieu qui te parle. God speaking to you. C'est Dieu qui te parle. It's God speaking to you. Dieu est en train de te parler. God is speaking si tu entends dans ton cœur, if you hear in your heart, une voix qui te dit, a voice telling lève-toi, you, stand up, va devant. Go before. C'est Jésus qui t'appelle. It's Jesus calling you. C'est Jésus qui t'appelle. It's Jesus calling you. C'est Jésus qui t'appelle. It's Jesus calling you. Je répète. I repeat. Je dis, I'm si tu entends you, dans ton cœur, if you hear in your heart, lève-toi, stand up, va, and go. C'est Jésus qui t'appelle. It's Jesus calling you. 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 Je répète. I'm si tu entends dans ton cœur, if you hear in your heart, si tu entends dans ton cœur, if you hear in your heart, lève-toi, stand up, va, go. C'est Dieu qui t'appelle. It's God calling you. Le diable ne peut pas te dire ça. The devil cannot tell you that. Le diable peut te dire. The devil can tell you. Ne va pas. Don't go. Le diable peut te dire. The devil can ne tell va you. Pas. Don't go. Le diable peut te dire. The devil can tell you. Et la bière. What about beer? Et ta concubine. And your concubine. Ou bien ton concubin. Or your concubine. Tu veux les laisser? You want to leave him? Mais Dieu lui te dit. But God is telling mon fils. God is telling fille, you, my son, viens, my daughter, come, viens, come. Viens. 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 Come. Je commence la prière déjà. I'm starting the prayer. Levez vos mains. Put up your hands. Si tu es assis. If you are sitting. Et une voix te dit. And a voice lève-toi, is telling you, stand up. Va devant. Go before. S'il te plaît, lève-toi, tu viens. Please stand up and come. Si tu es un rétrograde. If you are a backslider. Qui a abandonné l'appel de Dieu. Who has abandoned God's call. Reviens maintenant. Come back now. Lève-toi promptement, tu reviens. Stand up quickly and come back. Si tu es de l'autre côté. If you are on the other side. Viens. Come. Même si tu as la dernière bâche là-bas, viens. Even if you are under the latest canopy. Viens. Come. Levez vos mains. Put up your hands. Là où vous êtes. In your current state. Quand on dit que quelqu'un a donné la vie à Jésus, c'est ce que vous êtes en train de faire. When we say someone has given his life to Jesus, it's what you are doing right now. À partir de maintenant. From today on. Dieu va vous protéger. God is going to protect you. Dieu sera attentif à vos cris. God will. Dieu sera attentif à vos pleurs. Dieu va vous garder. God will keep you safe. Il a dit dans sa parole. He said in his word, je serai l'ennemi de vos ennemis. I will be the enemy of l'adversaire de vos adversaires. Il a dit dans sa parole. He said in his word, que celui qui va te maudire. That the one who will curse you. Lui-même Dieu va le maudire. He, God, will curse him. Et que celui qui va te bénir. And the one who will bless you. Dieu lui-même va le bénir aussi. He, God, will bless him. Ça veut dire que ta vie a changé. It means your life has changed. Tu n'es plus orphelin. You are no more an orphan. Tu as un Dieu. You have a God. Tu as un Père. You have a Father. Ta première prière. Your first prayer. Consiste à lui demander pardon. Will be to ask him to forgive you. Dis-lui Seigneur. Tell him dis, Seigneur. Say Lord. Tu as dit au paralytique. You told the paralyzed man. Tes péchés te sont pardonnés. Your sins are forgiven. Dis Seigneur. Say Lord. Pardonne-moi aussi mes péchés. Forgive my sins as well. J'ai beaucoup péché. I've sinned a lot. Je le reconnais. I acknowledge. En parole, en pensée, en action. In my word, my thought, and actions. Je plaide. Je te supplie. I plead que tu me pardonnes. That you forgive me. J'arrête cette mauvaise vie. I stop this bad life. C'est fini, j'arrête. It finished. I stop. Je vais te servir. I will serve you. Je veux marcher avec toi. I walk with you. Je veux marcher avec toi. I walk with you. Je veux que tu sois mon guide.
I want you to be my guide. Je vais lire ta parole avec ton peuple. I want to read your word with your people. Je vais t'adorer avec tes enfants. I will worship you with your children. Je ne veux plus les persécuter. I won't persecute them anymore. Je ne veux plus les persécuter. I will no more persecute them. Ils sont devenus mes frères. They have become my brothers. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Sépare-moi de toute malédiction de la famille. Say, separate me from all the curses of Pose my les mains family. Sur ta tête. Lay your Dis Seigneur. On your head. Say, Lord. J'accepte qu'on me sépare de la malédiction qui règne dans la famille. I accept to be separated from the curse. Which is in my family. J'accepte qu'on me sépare de la sorcellerie qui est dans la famille. I accept to be separated from the witchcraft which is in my family. Je suis ton enfant. I am your child. Je suis ton enfant. I'm your child. Au nom de Jésus-Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Regardez derrière les chaises, asseyez-vous. On va commencer à prier.